devant l'État dans Gémédia. Yo PDG nan grand. Bonjour à toutes mesdames, messieurs de la presse qui encore une fois veulent témoigner solidarité au monsieur Vladimir Le Gagneur qui dans le cadre de était à faire un reportage dans un quartier chaud de Port-au-Prince-Gravine et depuis lors on a plus de nouvelles de lui et maintenant Jean nous connaît là. Le dossier a été acheminé au parquet de Port-au-Prince au cours du mois de mai, qui, après analyse, a décidé de transférer le dossier au cabinet d'instruction au fin de l'instruction préparatoire. Et c'est dans ce cadre que ce matin, nous accompagnons Mme Vladimir Le Gagneur et nous, les avocats du BDHH, Bureau des droits humains en Haïti, pour nous discuter avec série d'auditions que magistrat Jean-Wilner Morin, c'est le juge chargé de l'instruction du dossier, la base en conformément à l'ordonnance de désignation du doyen et qui va réaliser l'instruction préparatoire. Grenèque plaidé pour les marchés, fait-il moun mourir. L'instruction s'est déroulée de façon sereine. Donc, c'est un début. Donc, le magistrat a gagné pour lire, pour tenter, interroger, auditionner un peu l'autre monde dans le cadre de séance et peut-être, et le cas échéant, faire des déplacements. Le magistrat a tenté d'inculper, présumer auteur. Donc, la semaine dernière, le 25 mai, jeudi, c'est au tour de Mme Le Gagneur, la femme de Vladimir Le Gagneur, pour te répondre à une série de questions qui a commencé et qui pourra suivre dans la semaine qui vient. Et avant la fin de la semaine aussi, il y a un photojournaliste qui était peut-être un confrère Vladimir Le Gagneur qui était well, même jouant. Donc il est invité aussi au niveau du cabinet de session le jeudi de cette semaine. Pour chaque maman qui perd des petites, pour chaque morceau qui est captrimé, pour chaque petit sous grain baltari. Maman nous mourit pour atteler. Oui. Oui. Grenèque plaidé pour les marchés. Dans nos médias Info Plus, dans nos unions journalistes photographes haïtiens, dans nos collectifs de dimension, je dis à nous te réunis matin devant Palais de Justice, pour être capable, encore une fois, venir montrer tout le monde qui dans ce dossier Vladimir Le Gagneur éteint, pour nous montrer que le dossier n'est pas éteint. Nous, là, je dis, on a remarqué qu'il y a une baleine qui lui met, nous remarquons toutes les photos, nous remarquons qu'il y a divers messages qui lancent. C'est pour nous capables de continuer à demander aux autorités concernées pour faire lumière sur ce dossier, pour nous montrer, pour nous dire que nous-mêmes, nous comprenons le travail qu'il y a à faire, mais pour nous demander à nous pour nous donner une réponse par rapport à la disparition. Ce n'est pas seulement si nous avons fait, je dis, demain, si je veux. Nous casser rendez-vous à tout le monde devant chaque le Parlement pour nous capables à le poser, pour nous capables à livrer l'autorité, nous-mêmes pour nous vivants, parce que nous connaissons les étudiants de CSPN, attendez, CSPN pourrait paraître devant la commission justice Sénat, qui est en tête du sénateur Jérémy Sénateur, c'est bien. Nous prenons là pour nous capables de demander, mettre le dossier Vladimir Le Gagneur dans le menu discussion. L'équipe avocat bureau droits humains mettait à la disposition de Mme Le Gagneur en cas de César. Nous espérons que, effectivement, Jean Déchia enquête va permettre que nous avons une véritable lumière qui fait spécial pour non pas encore dans l'enquête se poursuivre, mais au moins une fois pour la lutte contre l'impunité, donc qui atteint nos vitesses de croisière en Haïti avec ce cas, le cas de Vladimir Le Gagneur. Qui va permettre que nous réalisions les honneurs de travail, de sentir que nous avons travaillé en toute quiétude d'esprit, parce que justice est là pour la justice, les qui ont le gagnent.